Je crois que tout a été mis en œuvre pour que cette vidéo ne voit jamais le jour. Ça fait plus de 2 ans que je vous ai pas présenté mon nouveau setup. Et ça fait des mois que vous me le réclamiez. Au fil du temps, chaque mois, je faisais l'acquisition d'un nouveau matériel. Le mois suivant, j'ai changé de matériel. Au final, mon setup il faisait que changer. Jusqu'au jour où je me suis posé avec tout ce dont j'avais besoin. Mais cette fois-ci, c'est mon ordinateur qui faisait des siennes. Bref, que des péripéties. Et dire que j'avais promis de faire cette vidéo setup en cette fin d'année. C'est chose enfin possible. Vous allez tout savoir sur mon setup, il n'y aura plus aucun secret entre vous et moi. Ma config PC, mes périphériques fétiches, mes accessoires, mon audio, mes écrans, mes caméras, mes conseils. Avec le plus important de tous, ce n'est pas le setup qui fait votre contenu. Ça ne sert à rien, et je sais que tout le monde le dit, mais vouloir à tout prix commencer ces vidéos ou live avec un Shure SM7B, une grosse table de mixage et un gros Canon en guise de caméra, ça vous fera pas gagner vos 1000 viewers. C'est pas ça qui fait tout, c'est vous. Et je prétends être personne. Mais j'ai commencé en 2014 mon aventure avec un ordinateur complètement pourri. Et j'ai investi au fur et à mesure, à hauteur de ce que je pouvais m'acheter. En plus des cadeaux de Noël ici et là, j'ai monté progressivement et je pense qu'il n'y a pas de secret. Claquer 5000 balles d'un coup en pensant que tout sera amorti, bah c'est le meilleur moyen de perdre 5000 balles pour abandonner au plus large 5 mois après. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tout mon matériel avec en description des liens affiliés Amazon de sorte à ce que vous ne vous perdiez pas, mais également cela me permet de me soutenir financièrement. A chaque achat effectué via mon lien, je touche une petite commission. Cependant, vous l'aurez compris, je vous pousse pas à la consommation. Au contraire, certains liens ne seront pas en description puisque je ne recommande pas forcément certaines choses dont je possède. Et vous pouvez trouver mieux ailleurs. Je vous guiderai durant cette vidéo, en espérant qu'elle vous plaise ou qu'elle vous serve. Pour commencer, parlons de mon PC, ma config. En espérant qu'elle ne change pas d'aussitôt. Je possède un Cooler Master K500L avec 3 ventilateurs pour un maximum d'aération. D'ailleurs, le principe du boîtier, bah, c'est qu'il est super bien aéré. Enfin, pour son prix quoi. Mon processeur, je l'ai depuis la nuit des temps et ça se ressent. Autant il est bien, autant Warzone ne l'aime pas trop. C'est un i7-6700. J'ai 32 Go de RAM et ça c'est grâce à L7C Fox que je remercie énormément. Sans lui, je serais encore aujourd'hui à 16 Go de RAM. Ce sont des barrettes Corsair. Et ma carte graphique, une Nvidia RTX 2060S. Pour mes périphériques, sachez que c'est super important, vous devez être confortable avec vos accessoires. C'est pour ça qu'au fil des années, j'ai beaucoup changé de matériel. Actuellement, et je m'en lasse pas, j'ai un clavier de chez Rocat. D'ailleurs, je suis ouvert au partenariat. C'est un clavier Vulcan 122, tellement cool, confort, réactif, esthétique, et le bruit des touches me convient. Et vraiment, c'est pas des lol, hein. Si Rocat veut collaborer, je suis grave ouvert. Bon, pardon pour la suite par contre. Ma souris, c'est une Logitech G502 Hero. J'ai craqué cet été en fait, en voyant que Creo possédait cette souris. Elle est pas mal, on peut faire tourner la roulette à l'infini, et il y a ni trop, ni trop peu de boutons. Mon Stream Deck, il m'est indispensable aujourd'hui, mais croyez-moi, vous pouvez vous en passer quand même. Mais à partir du moment où vous l'utilisez, certes, bah vous ne vous en séparez plus. Elgato ont fait un super produit avec, et ils en ont sorti un nouveau d'ailleurs. Je m'en servais juste pour changer de scène sur mon logiciel de stream à l'époque. Bah aujourd'hui, il me sert à switcher de sortie audio. Il me permet de gérer individuellement chaque sortie audio de chaque logiciel. Il me permet de couper mon micro sur Discord, ou couper celui des autres, de gérer ma chaîne Twitch en live, balancer des bruitages également que mes acolytes entendent sur Discord, des musiques, plus amplement et de manière infinie, contrôler toute ma bureautique. Ces 3 périphériques en particulier, clavier, souris et Stream Deck, sont dans la description. Ceux-là, je vous les recommande à 200% si vous souhaitez vous les procurer pour un bon usage. Je vous propose également le lien de mon Oculus Quest 2 et de son câble que j'ai acheté pour me permettre de le relier à mon PC et créer du contenu en réalité virtuelle. Enfin, pour ce qui est de mon volant du G27 de Logitech, je vous laisse voir par vous-même sur internet le volant que vous souhaitez, car vous trouverez forcément un volant moins cher et qui vous plaira. Dans tous les cas, j'ai fait une vidéo pour parler des différents volants du marché, mais ça, je vous laisse libre de vous renseigner. Passons à l'audio, ça va aller très vite. Mes enceintes sont des Mackie CR4X qu'une gentille femme m'avait offert. Elles sont aujourd'hui entre la vie et la mort, je les recommande pas forcément, elles vont rendre l'âme. En tout cas, jusqu'ici, elles m'ont bien servi, elles font le taf. Ce sont des enceintes de monitoring, parfaits pour ceux qui composent des musiques et qui font du mixage. Comme moi, par exemple. Bon, voilà les amis, je me permets une petite update, parce que, voilà, ça change tout le temps, c'est terrible. Mes enceintes, du coup, ont rendu l'âme entre-temps, voilà. Ça, c'était prévisible. Et j'ai rechangé de place un petit peu tout mon bordel, mais voilà, sachez que le matériel ne change pas, à part les enceintes, donc, je les ai dégagées, je mettrai des nouvelles enceintes,
peu importe lesquels, mais donc voilà. Petite parenthèse, mon écran principal, vous l'avez vu tout à l'heure, il était surélevé sur les enceintes justement. C'était le meilleur truc de ma vie, ça m'a permis de réapprendre à me retenir droit, à avoir ma tête droite, je vous jure que ça m'a changé la vie. Alors là, je l'ai remis à la hauteur de base, mais maintenant je me tiens beaucoup plus droit et c'est vraiment que du plaisir. L'ordi portable, je l'ai mis ici, comme ça au niveau des aérations derrière, c'est beaucoup mieux, ça va beaucoup moins chauffer. Le deuxième écran, lui, ça change pas, il est là. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble. La ring light, elle est là. Donc voilà, j'ai un petit peu décalé tout ça, la caméra, je l'ai mis sur l'écran. Enfin bref, c'est à la fois un peu plus bordélique et à la fois un peu plus épuré. C'est marrant quand même, hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Mon casque, lui je le recommande, il est en description. C'est un micro slash casque de la marque Beyerdynamic. Et vous connaissez ma fidélité à Beyerdynamic. C'est la marque de référence. J'utilise le MMX300, il n'est pas XLR, donc vous pouvez l'utiliser sans souci si vous n'avez pas de table de mixage. Une prise jack suffit. Transition avec ma table de mixage, justement, la Go XLR Mini, qui fait également office de carte son. Pas besoin de prendre la toute grande, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Mon Stream Deck, couplé à la Go XLR, me permet de faire déjà bien plus qu'avec la grosse Go XLR. Une piste pour mon micro, une piste pour Discord, une piste pour la musique, et une piste pour le jeu. Chacune des pistes a un bouton, le premier me permet de me mute sur le live, mais de me faire toujours entendre sur Discord. Pratique pendant une pause ou un pré-live, ou si j'ai quelque chose d'urgent et secret à dire à un acolyte. Le deuxième bouton permet la même chose, mais avec le son de Discord, me permettant d'écouter ce qu'on a à me dire sans que vous l'entendiez. Me permettant aussi surtout d'oublier et vous donner l'impression que je parle tout seul en live. Le troisième bouton coupe la musique dans mes oreilles, me permettant de me concentrer et faire des top 1 imaginaires, pendant que vous continuez à entendre la musique. Et le quatrième bouton coupe directement le son du jeu pour tout le monde. Certaines pistes sont reliées, c'est assez complexe puisque mes réglages sont précis, me permettant de jouer des sons en particulier sur Discord, notamment des bruitages rigolos, là où les musiques que j'écoute en fond ne viennent pas déranger l'audio de mes acolytes sur Discord. C'est du travail d'ingénieur du son réussi, réalisé par moi-même. Passons à mes écrans, et là j'ai des recommandations. Dans un premier temps, et vous l'aurez compris à l'instant, je vous recommande vivement d'avoir un écran qui ait une bonne hauteur. C'est très important et ça vous incite à garder votre tête et votre dos droit. Je vous jure, on s'en rend pas compte sur le coup, ça peut même être perturbant, mais ça fait un bien fou. Surtout quand vous passez vos journées devant l'ordi. Alors il n'y a pas de secret, hein, la santé c'est le mouvement, mais tenir la tête droite c'est trop important. Alors trouvez un moyen de surélever vos écrans ou utilisez un support écran comme le mien que j'utilise pour avoir mon second écran à la verticale. Alors d'abord concernant cet écran, c'est ma marque de cœur, Yahama. C'est mon second écran qui était mon principal à l'époque, 24,5 pouces Full HD que j'ai placé à la verticale. Là je vous laisse acheter les écrans que vous voulez et j'ai pas forcément de meilleurs bons plans. Et j'utilise principalement pour tout ce qui est Discord, lire le chat en live, etc. Revenons au support. Le support, je vous conseille et vous dirige dans la description sur la marque Bontech. C'est un support deux écrans que j'utilise. Bontech, ils font plutôt du bon boulot, c'est solide et fiable. Mon écran principal, lui par contre, il est pas compatible avec ce support, donc il est indépendant. Il est de la marque Korui, un écran 2K, donc avec une résolution de 2560x1440, 27 pouces, 144 Hz. J'en suis très content. Tout ce qui est accessoires, gadgets, lumière, fond vert et bien sûr caméra, je vais vous les présenter directement face cam et je vous laisse voir en description. Tout ce que j'utilise à ce niveau-là sont de qualité et ne sont pas de grandes marques, sauf pour les caméras. À vous de voir si vous voulez acheter les mêmes ou prendre la qualité supérieure. Le plus important, je le rappelle, c'est que vous soyez à l'aise. Et perso, je suis enfin à l'aise avec ce que j'ai. Bonsoir. Bon, j'espère que vous avez kiffé jusqu'ici cette petite vidéo, j'ai essayé de la faire en mode qualitative, mais le problème c'est que par manque de temps et comme mon setup vous l'avez vu a encore rechangé, bref c'est que des problèmes. Du coup comme je vous ai promis de faire cette vidéo avant la fin de l'année, ben j'ai pas le choix, il faut que j'accélère le pas et que je vous fasse la suite de cette vidéo en face cam, donc j'espère que ça va vous aller, ça va être un petit peu plus improvisé, mais comme d'habitude tous les liens vont être en description bien détaillés et là je vais vous aider justement pour vous dire un petit peu comment ça fonctionne. Ce sera bien plus simple. C'est-à-dire que par exemple, j'en profite d'ailleurs, actuellement vous me voyez, j'utilise un ordinateur portable pour filmer, justement c'est mon setup double PC. Donc là je vous ai parlé de ma configuration de mon PC pour jouer. Parlons rapidement de mon PC portable. Tout simplement, c'est un Acer Nitro 5 avec un i5 à l'intérieur. La carte graphique, c'est une RTX 3060. Et c'était un super bon plan. C'était en promo quand je l'avais vu. Parce que là, je crois qu'il est à 1200 sur Amazon. Je vous le mettrai pas en description pour le coup. Je vous laisse vraiment faire tout comme vous voulez à ce niveau-là. Moi, je l'ai eu pour un peu moins de 1000 balles. J'ai vraiment eu un bon plan l'année dernière. Donc voilà. Merci Darty.
Encore une fois. Par ailleurs, c'est comme le fond vert que j'utilise derrière, je vais rien vous mettre en description, le fond vert je vous laisse voir par vous-même le fond vert que vous voulez, parce qu'on s'en fout complet. Vous pouvez prendre un fond vert qui coûte ultra cher, comme juste une petite toile qui coûte 10 balles, c'est la même chose. Le plus important c'est pas le fond vert, le plus important c'est l'éclairage. J'ai juste une softbox qui éclaire l'ensemble du fond vert derrière, et j'ai une ring light devant moi pour éclairer mon visage. Faut juste que l'éclairage soit bon, que ce soit assez puissant, que ce soit blanc, et que le fond soit uni derrière. Donc si t'as envie de claquer 200 balles, non je sais pas, 300 balles peut-être le fond vert, bref, tu fais ce que tu veux, tu peux prendre un truc à 10 balles, le plus important c'est que ce soit bien fait. On va passer rapidement aux caméras, donc là je vous ai parlé du fond vert, je vous ai parlé de mon ordinateur portable bien sûr, je vous ai parlé de la softbox, voilà les éclairages c'est à vous de voir, voilà. Parlons du coup des caméras, vous me voyez avec une webcam, c'est la Logitech Brio, avant j'utilisais la C920, c'était très bien, mais la Brio... c'est encore au-dessus, donc voilà. Deuxième caméra que j'utilise, caméra pour faire des travelling, caméra pour voilà faire des cinématiques, mais également caméra pour les plans que je vous ai fait tout à l'heure d'ailleurs. Il s'agit de la DJI Osmo Pocket. Alors je dis vlog parce que moi je l'ai utilisé pour faire des vlogs, mais c'est pas spécialement une caméra vlog. En fait c'est pas une caméra pratique parce que le temps de l'allumer... voilà, il y a tout un truc, hop, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Pour la stabilisation vidéo, pour la qualité 4K, etc. C'est juste parfait, c'est ultra bien fait. Il y a vraiment un suivi du mouvement qui est juste parfait. Une super caméra qui coûte cher quand même, mais je vous mettrai en description. Parce que elle m'a beaucoup servi, même professionnellement parlant, au-delà de YouTube, par rapport à mon activité d'à côté. Il y a la DJI Osmo Pocket 2 qui existe. Je sais pas si elle est plus chère, mais si elle est plus chère, ne la prenez pas. Si vous comptez prendre une Osmo, prenez la classique. Pourquoi? Parce que la DJI Osmo Pocket version 2, elle a... une fonctionnalité en plus, je crois. C'est l'angle de vue qui est un tout petit peu plus grand, mais c'est tout. C'est complètement con. Donc vraiment, prenez la moins chère. Vraiment, hein. Ça suffit largement. Je vous mettrai en description un petit peu mes accessoires de type organisation de gestion de câble. Mon petit support de casque, vous le voyez depuis tout à l'heure, là, c'est là-dessus que je pose mon casque. Voilà, il y a des lumières RGB, tu peux changer les couleurs. Alors voilà, vous pouvez payer de la marque qui fait 150 balles, alors qui permet de recharger des casques par exemple, c'est sympa. Moi j'ai opté pour un petit support à la con, tout simplement parce que je voulais juste un support pour mon casque. Parce que le casque quand même, j'ai pas envie de l'abîmer, il est vraiment incroyable. Donc je voulais juste un petit support, et puis qui plus est, autant qu'il soit RGB. Donc j'ai pris le premier qui m'est venu, si vous voulez, je vous mets dans la description, c'est pas de la marque, enfin en tout cas c'est de la marque Philpop, évidemment c'est pas du hein, c'est pas du Razer ou je sais pas quoi, voilà, c'est un petit peu le support de la S, mais qui fonctionne très très bien. Là je change les couleurs depuis tout à l'heure, mais vous voyez pas, de toute façon vous avez déjà eu des aperçus, vous savez très bien ce que c'est, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si en tout cas vous en voulez un. Après je pense que la plupart prendront de la grande marque. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo setup, j'ai essayé de la faire le plus vite possible, je suis désolé, en tout cas voilà, je vous fais plein de bisous, joyeux Noël, vraiment. Profitez bien, portez-vous bien, la MIF c'est important. J'espère que vous serez gâtés bien sûr, j'espère que vous allez gâter les autres également. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Oh oh oh.